Casablanca is a city of love, drama, and passion. A city just like the Hollywood film. Casablanca is one of the most famous films in the world, even though not a single scene was shot there. Today, two worlds clash. Tradition and globalization. The name Casablanca invokes images of Humphrey Bogart and Ingrid Bergman, but the modern reality is completely different. The popular city still benefits from its famous film image from the 1940s, and today is a relaxed Arab metropolis. Naji Mohammed is a stockbroker. He works 60 hours a week. The financial trade in Casablanca has flourished since King Mohammed VI's reign. Casablanca, c'est ma ville natale. C'est la ville où je me sens bien. Donc il y a le cœur industriel, économique du pays. C'est une ville que j'aime bien. Donc on a tout et voilà. Every Friday afternoon, during his lunch break, Naji crosses the whole city on his scooter. La globalisation de Casablanca, ça signifie qu'on a plusieurs cultures qui cohabitent ensemble. Je suis très fier de vivre à Casa et d'avoir un esprit ouvert. Je suis très fier d'être comme ça. Casablanca is a city of white-colored houses. This is where 3.5 million people live. Most of them are Muslims, for whom the Hassan II Mosque plays a key role. Naji's lunch break is quite short, and he has to rush to the mosque so he doesn't miss Friday's prayers. Even though he is an international foreign exchange trader, the Arab tradition is very important to him. Je vois pas de contradiction entre les deux. C'est vrai que la bourse a la notation internationale, qu'il est peut-être lié à l'occidental, mais ça fait partie de mon quotidien et la prière, ils ont fait une priorité aussi. La religion, pour moi, c'est le côté spirituel. Grâce à la religion, il y a, surtout pour moi, la religion musulmane, c'est vraiment un apport quotidien dans la vie pour l'apaisement du soi, pour pas mal de choses qui sont en rapport avec la spiritualité. Donc voilà, donc, et la religion, c'est la paix intérieure aussi, c'est la paix intérieure qu'on ressent. Praying in the main hall of the mosque is reserved for men only. Every Friday, thousands of men gather in this gigantic structure. From the Arab fishmonger to the international businessman, all come to pray in this central place. For the children, the grounds of the mosque are a bathing paradise,
a place of leisure and total relaxation. In Casablanca, the sea has great importance with the local population. The sea represents a gateway to the world, a coast with strong breakwaters and good surfing spots. This gives the Barada family opportunity to do what they love. Since their birth, Fatima Zahra has put her daughters on a surfboard. Whenever they have time, the family of four go to the beach with their father, Zeno. Quand tu es en relation avec la nature, avec la mer, surtout quand tu es en contact avec la mer, surtout quand tu surfes de très bonnes conditions, de très jolies vagues, tu es tout le temps épanoui, tu es très heureux, très content, et surtout avec notre passion. Je sens que je suis forte et courageuse. Et après, quand je prends une vague, je sens que je progresse. En fait, on a le privilège d'être dans une famille qui surfent, et dans notre école, il y a juste ceux qui... des débutants, c'est tout. Il n'y a pas une famille comme ça. Morocco, though it may sound surprising, is a popular venue for international surf competitions. Les vagues au Maroc en général, elles sont très très bien. Nous avons de très jolis spots, que ça soit à partir de Tanger, jusqu'à La Guira, on a des spots très très connus mondialement. C'est une question de saison. La meilleure saison pour Casablanca, elle débute du mois de septembre jusqu'à début décembre. Fatima goes in the water every day. She has been preparing for a big surfing competition. It is the first time women in Casablanca are allowed to participate in such competitions. Maintenant, le Maroc, on a beaucoup plus les gens, ils ont l'esprit ouvert. Donc, quand ils voient une femme dans l'eau, au contraire, pas mal de gens, ils m'encouragent. Surtout quand je fais de la compétition, tout le monde m'encourage. La plupart des Marocains, ils sont fiers d'avoir une femme marocaine qui fait ce sport. At first glance, women and girls in tight wetsuits are perhaps not in keeping with headscarves and the Muslim traditions. For Fatima, however, this is not a problem. Ça n'a rien à voir. Je fais ma prière. Je suis une femme musulmane. Je fais ma prière. Je fais mon Ramadan. Et le surf, il ne me gêne pas du tout. C'est J'ai mon sport, c'est pas on fait la prière, on peut pas faire du surf, ou bien on fait du surf, on peut pas faire la prière. Tomorrow is the big day. Surfers from all over the world have come to take part in the competition. Fatima will be the only Moroccan woman from Casablanca. Voilà, pour la compétition de demain, j'espère faire de très bons résultats et pourquoi pas rester en finale, on l'espère. Hein. Morocco was a French protectorate in the first half of the 20th century and has left its mark on Casablanca. French architects built numerous Art Nouveau buildings, which now form the Nouvelle Ville or Centre Ville. Today, it is still the focal point of urban life, as this is where all of the modern tram lines converge.
Not far behind the old city walls is the ancient Medina, a historic old town dating back to the 18th century. Here in the heart of Casablanca, old Moroccan tradition could not be more of a contrast to the rest of the city. Today, the old town still retains its character with markets and craftsmen plying their trade just as they did hundreds of years ago. This is where Mohamed Mabchour has a workshop in a cellar. He heats the stove for the hammam next door. The steam bath is for men only. نيس جيت من البلاد وخدمت هنا في ذاك شفد الحمام طلبت الخدمه خدمت في الحمام جيت باقي صغير ما عرفش ما عنديش لا صنعه لا ما قريتش وهاد الخدمه هي يعني بحال اللي قلتي هي اللي بانت لي صافي قريت ما عنديش شي صنعه اللي The fire must always be fueled with wood chips. It should not be allowed to go out. يعني غير كنصور فيها شوية من الصرف ديال الدراري وداكشي حيت هي اللي فيها يعني هاد الشيء هذا هي اللي فيها الرواج ولفتها من الصور يعني 30 عام راه ولفت بالاخص هاد البلاصه هاد ولفت دابا هنا يعني نمشي لكاع شي بلاصه اخرى اي بلاصه ما نولفش فيه ما خدمتش فيها كاع ولفت هنا بزاف The wood chips are supplied daily. Mohamed burns 300 kilograms a day. Mohamed sometimes sleeps on the job if he can't find anywhere else to sleep in the city. His real home is in the countryside with his wife and children. كيفاش بالليل؟ بالليل كنعمر العافية كنسدو حيت العشرة كنسدو هنا كنسدو كنشعل العافية كندير فيها نجارة باش الصباح الماء سخون صافي هذا هو الليل Everyone can find their own place in Casablanca. لا هي الدار البيضاء مزيانة في العيش مزيانة بزاف كاع يعني تعيش تقدر تاكل غير ب 100 ريال بالفرانك اللي عندك حيت هي اقتصادية مزيانة يعيش فيها المسكين بزاف هي مزيانة ودابا يعني كما قلتي دابا انت غادي لقدام مزيانة المسكين ما يقدرش يعيش فيها الا تبدلات هذا الشيء ديال المدينة الا ريبو بدلوا هذا الشيء ديال هذا الشيء اللي ولا دابا في جهة البحر سميتو مارينا ويدخلوا هنايا صعيب شوية على المسكين In the old Medina, it seems as if time has stood still. Every afternoon, Mohamed Mabchour goes to the hammam, a kind of heated steam bath where the local men wash themselves and relax. It is busy here all day, from 8 o'clock in the morning. Many customers do not have their own bathroom at home, but the Muslim tradition dictates cleanliness is of the utmost importance. It's important.
صحيح شي واحد مريض بالبروده ولا هادي مزيان ليه فيش خط مصاب. For Mohammed, the second part of his day job is washing and helping others. Casablanca is a city caught between East and West. Everyone is welcome here, whether they wear a headscarf or not. The king advocates a moderate modernization of the country. He is responsible for making Casablanca economically strong and making it the largest city in Morocco. Trade is booming. Traditional craftsmanship has been preserved, and tourism flourishes. Although the gap between rich and poor is increasing, nowhere else in Morocco do people benefit as much as they do in Casablanca. More and more women are able to assert themselves in Morocco's male-dominated society and to find their own careers. Samira Belhaj is a singer. She has performed on stage since she was 8 years old. Ziad Mohammed, her producer, believes her talent could make her a star. Today she will record a new song. In the evening, Samira has a live performance at an exclusive hotel restaurant. Prends votre respiration. Wow. Top. Allez, bonne chance. Ah, merci. Bonne chance. Da 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 da. Da 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 da. بالنسبة لي الميدان الفني ماشي سهل وبالنسبة للمرأة يعني مغربية عربية مسلمة ماشي سهل لأن يعني كان الحياة الأسرية ديالي كانت كيف كنقولوا كنجي عليها أكثر لأنه الفن هو حياتي دونك دائما العائلة الأسرة الزوج الأولاد كيتظلموا كنحس بهم مظلومين دونك طريق صعيبة شوية في الميدان الفني. Ziad has known Samira for many years and thinks she is very talented. La voix, il a beaucoup de les fréquences des aigus, il est brillante, la voix, il est spéciale un petit peu, pas comme les voix classiques. C'est une voix qui est polyvalente, ils peuvent chanter classique, moderne, toute la variété arabe. Il est qualifié de faire ce qu'il veut avec sa voix. بالنسبة لي أنا شخصيا أنا واحد الإنسانة اللي آمنت بالموهبة ديالي وآمنت بهذا الصوت اللي عطاني الله يعني الحمد لله دونك
كنكافح من اجلها وكنحاول نقدم من خلالها رساله للمجتمع الاول المغربي ديالي والمجتمع العربي عموما من خلال الصوت ديالي والاغاني. In Casablanca, Samira has made lots of appearances, but she wants to be known outside of the city. She wants to become a national star and perform live all over Morocco. Ici au Maroc, c'est difficile parce que on n'a pas des vraies boîtes de disques, boîtes de production. C'est ça le problème. Donc, comme vous savez, la chanson est une industrie. C'est l'industrie musicale comme dans les États-Unis, dans l'Europe, dans l'Australie, dans les pays développés. C'est un peu les chanteurs et les chanteuses talentueux, ils ont beaucoup de chance d'avoir, de passer à l'étape professionnelle. Ici, c'est un peu difficile, c'est de l'autoproduction. Casablanca gives you courage. It is an open, cosmopolitan city that attracts artists, fashion designers, and creative people. People say that in Casablanca, anything is possible. Whether rich or poor, in Casa, as it's locally called, there are opportunities for all, and those who don't take advantage will have to live with the consequences. Samira Belhaj does everything to fulfill her dreams and performs everywhere she can to gain a bigger audience. Tonight, the venue is an exclusive hotel restaurant. The acoustics have to be right. Her repertoire is wide-ranging. Il essaie de satisfaire toute la clientèle du restaurant parce qu'elle chante tous les genres de la chanson arabe. Il a la variété arabe. Il chante du Libanais, Tunisien, Algérois, Marocain. Il chante les chansons modernes, les chansons classiques. Voilà, les gens ici, ils l'aiment beaucoup parce qu'il fait un effort pour leur satisfaire. Je vais vous dire que je vais vous remercier pour la Samira en trois mots qui est le mouhiba d'Allah. كانت هواية ولات موهبة وهواية واحتراف يعني مختصر هي حياة سميرة يعني أنا فكرت مرارا وتكرارا أنني بعد على الفن وندير مهنة أخرى لكن ما عرفتش Early in the morning, the muezzin can be heard throughout the city's districts. The five daily prayers are important to most people. The pride of the city is the gigantic mosque of Hassan II, one of the largest mosques in the world.
It is the only mosque that has a retractable roof. Only the king is allowed to go through the Porte du Roi, the king's gate. Precious chandeliers, cedar wood carvings, and unique stucco adornments. Here, the French architect Michel Pinceau designed a superlative house of God. At 210 meters, the minaret is the highest in the world. 80,000 people can fit into the forecourt. The magnificent building was built in just 7 years. It was completed in 1993 and cost $500 million. Christians, Jews, and Berbers have all left their mark on the city. Through a long history of change, Casablanca is European in many ways. In the 16th century, the Portuguese occupied the city, and in the 19th century, Spanish traders settled and gave the city its present name, Casablanca, the White House. Finally, the city was occupied by the French at the beginning of the 20th century. Today, the city's identity predominantly reflects this period. The weekend presents a time of leisure for the city's inhabitants. Morocco's only Vespa club, based in Casablanca, has 20 male members. Naji Mohamed, the stockbroker, is a member of this club. His friends at the club are all well-to-do professionals, including the manager of a jewelry store. C'est un moment de déstress par rapport à une semaine chargée de travail. C'est retrouver des amis. C'est un défouloir. Voilà, donc. Et ça fait plaisir et c'est une préparation pour le début du travail de la semaine prochaine. C'est très sympa ici, ça permet de défouler, c'est très bien. At the club, the scooters are repaired, cleaned and spruced up. The guys are amateur engineers and hobbyists who are extremely proud of their bikes. Voilà, comme celle-là, c'est une Vespa S spéciale. Sprint. Sprint. Sprint 40-50. 50cc. Alors qu'il est des Vespa classiques. Jacques Vespa reflète la personnalité de son détenteur. Donc vous trouverez que chaque modèle a des accessoires propres au propriétaire qui apporte sa touche personnelle. Donc vous ne verrez jamais deux Vespa qui se ressemblent. J'ai ajouté quelques accessoires, je sais pas, des casquettes, le pare-brise, Protex. Mais ça, c'est des besoins que j'ai aimé. Ça me reflète. Ça reflète ma personnalité. Simple. C'est déjà expliqué. Voilà, je suis simple, je suis un petit motard. Un Vespaïste. J'aime la couleur bleue. Donc, bleu signifie ciel, mer, la musique gnawa traditionnelle, c'est la musique marocaine traditionnelle. J'aime beaucoup cet acteur de Denzel Washington. En plus, j'ai aimé beaucoup le film. C'est pour ça que j'ai partagé l'affiche de ce film avec ma Vespa. Thank you.
Ça, c'est ma Vespa. Là, le club, on a notre logo, donc le logo du club. Donc, club, il n'y a que les passionnés de Casablanca. Chacun a sa profession, son métier. Et on se rencontre, on a un planning annuel et on se voit et on passe des moments ensemble agréables, que ce soit ici à Casablanca, que ce soit ailleurs. Donc voilà, donc, c'est notre bijou bonheur. Their hobby is very time consuming. Almost all of them have wives and children at home. On passe beaucoup de temps à réparer la Vespa et nettoyer tout ça. Elle et notre famille disent que vous passez beaucoup de temps avec la Vespa que nous. C'est pour ça qu'ils sont jaloux. Il n'y a pas que le temps, il y a même l'argent. On gaspille beaucoup d'argent sur nos Vespa. Et les femmes aiment bien que tu gaspilles beaucoup d'argent sur eux. Tu te dis, parfois tu achètes une pièce plus chère qu'un cadeau à ta femme. Tu vois, tu comprends. C'est ça. C'est on ramène les enfants avec nous. Hein. C'est très sympa. Ta femme, elle te voit nettoyer ta Vespa et te caresse comme ça. Tu caresses ta Vespa tranquillement, gentiment. Elle aime bien qu'il soit en même temps, elle, qu'il soit caressée. Ça, c'est la jalousie. Parfois, on est partagé. Hein. Surtout le week-end. Quand tu rentres le soir chez vous à la maison, tu dis à ta femme. Tu prépares le dîner, va chez ta Vespa qui prépare le dîner. Je prépare le dîner. Et le problème, c'est que nos sorties, ça se coïncide toujours avec le week-end. Et le week-end, c'est parce qu'on travaille toute la semaine. Le week-end, c'est pour les enfants et la femme. Il y a un week-end sur deux, ça, je suis avec ma Vespa et mes amis. Et là, il y a toujours des petits problèmes. Mais ça passe. Tu sais, quand ta femme te trouve heureux et tu es passionné, tu as envie de il te laisse, il te dit voilà, je préfère lui laisser avec sa passion. Moi je suis heureuse quand lui il est heureux, tout simplement. Voilà. Today the members want to go on a small tour of Casablanca. Nothing big, just a bit of cruising. Il y a pas mal de clubs à Casablanca, sauf que l'esprit Vespa, c'est un esprit simple, tranquille. On ne conduit pas à vitesse, c'est-à-dire la vitesse, ce n'est pas notre souci. C'est juste être classe, bien habillé, sans problème, c'est-à-dire qu'avec cohabiter avec tout le monde, etc. Donc, et avoir un esprit, un parfait esprit. Donc voilà, c'est le privilège, c'est d'avoir le Vespa et avoir l'esprit Vespa, avec des gens sympathiques. They go down to the Corniche, the beach promenade in Casablanca, which is a bit like the Côte d'Azur. Today, part of the beach has been sectioned off and closed for a special sports event. Preparations have been going on since early morning. An international surf competition has attracted surfers from around the world to the city. Over several days, the surfers will compete in a knockout championship until only two finalists are left to battle it out. A
Up until now, the surf competition was reserved for male surfers only. They are admired by the Moroccan spectators and seen as celebrities. But this time, women will also be competing. For the first time in Casablanca, Fatima Zahra Berada is still in the running. She is the only Moroccan woman to compete. She has already passed the preliminary rounds. The winner will be the one who puts on the best performance. Déjà, je me suis entraînée pour cette compétition. J'étais déjà en Indonésie pour les entraînements. J'ai fait pas mal d'entraînements ici, dans le sud, à Casablanca, un peu partout. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner cette compétition. Fatima has 20 minutes to show what she is made of. Her family is supporting her. Bien sûr, on est fiers, c'est normal. C'est notre maman et on aimerait la voir dans le podium. J'aime voir ma mère sur le podium et avoir une belle coupe dans ses mains. Et ben, j'espère, je l'espère de tout mon cœur. But the conditions are not good for Fatima. The pressure is on. And there is intense media attraction. Là, elle est située sur un pic de droite. Ça va être un peu difficile pour elle parce que la vague est très courte. Pour mieux scorer, j'espère qu'elle va se déplacer un peu à gauche et là, elle peut faire de jolies manœuvres. Ça va être difficile parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. It will not be the case, unfortunately, as Fatima is knocked out of the competition. Les conditions c'était un peu difficile avec la marée basse, un peu de houle, les vagues qui fermaient. Donc j'avais pas la possibilité de faire les manœuvres. Mais bon, j'espère à la prochaine compétition m'entraîner un peu plus et pourquoi pas avoir un très bon résultat. Et voilà, hein. C'est pas grave la prochaine, Inch'Allah. The International Surf Competition, which is open to women, puts Casablanca on the map. Sponsors, media and participants are important for the modern image of an Islamic metropolis such as Casablanca. The competition was eventually won by a French woman, Pauline Adour. Just a few hundred meters away, there is no sign that an international sporting event is taking place. Instead, you can see a fortune teller and an old fortress wall. Life in Casablanca is as diverse as its people. Redwan Kathari did what many can only dream of. Although he only attended school for 5 years, he now has his own business, working as an inventor.
He makes and sells various contraptions from scrap material. He's had this gift since he was a young boy. بالنسبة للصغر ديالي انا كنت ازماتيك ما كيمكنش نخرج زعما مع الدراري في الزنقة الاب ديالي كان ميكانيك ديال الالات الخياطة كان عنده غير الدوزان التانساتو هما باش كنت كنلعب وكنت دائما كنيماجيني كيفاش الطوموبيل كتخدم كيفاش الميكرون كيخدم كيفاش البازا كتخدم كنت كنمشي نحل باش نشوف شنو كاين Redwan builds machines his customers can afford to buy. If they break, he will repair them. He has bought a small workshop in Casablanca and employs two assistants. This allows him to look after his family and earn respect in his neighborhood. His inventions are not going to change the world, but they do the job somehow. لا ماشين صنعتها لواحد الكليان طلب مني واحد الكونتيتي ديال 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 السلعه معينه يعني تقريبا 100 كيلو في النهار خاصه ماكينه موين هادي كيلوح الفلفله والخزو والحام والتوابل بطبيعه الحال باش كيعطيو باش كيطحنوا كيعطيو واحد لاصوص اللي زوين كيتخلط مع الزيتون في نفس الوقت وكدار به الهريسه المغربيه هذا هو المهم ديالها Redwan is convinced that Casablanca is the right city for him to become even more successful. خطيط ديال الدار البيضاء اكبر ما حنا كنا الناس ديالها اللي خاصين خاصين عليها ومسؤولين وسيدنا الله ينصرو خاصين على الدار البيضاء لواحد الدرجه كبيره خدامين عليها لانها مازال غتزيد تكبر لان اي واحد في المغرب كيعرف الدار البيضاء بغيت قدا خصو يجي للدار البيضاء بغيت نزه خصو يجي للدار البيضاء بغي يشري الالات باش يخدم خصو يجي للدار البيضاء بغي يتعلم خصو يجي للدار البيضاء Today is a big day for olive trader Anis. He will receive one of Redwan's ingenious machines. The delivery of an olive press is scheduled for this afternoon. Redwan explains how his machine works, as he is very proud of it. هاد الآلة هادي كتسهل علينا واحد العمل اللي كنحتاجوه هو تراس ديال الزيتون اللي كنحتاجوه بزاف وهاد العمل كنا كنديروه يدويا وكان كيتطلب لينا وقت كبير وجهد كبير وعمال كثار يعني وإلا بغينا هاد الآلة هادي خصنا نستوردوها من أوروبا وبواحد الثمن اللي هو عالي لهذا الأخ رضوان طرحت عليه الفكرة وقلت له أشنو الآلة اللي كنحتاج ليها صوبة لي يصنعها بواحد الثمن اللي هو فرق كبير في المستطاع ديالنا The machine presses olives and removes the stones. كان أمنيتي أنني نكون مخترع وبحكم الظروف العائلية ما كملتش القراية ديالي ولكن الموهبة ديالي في اللعب وفي الدوزان ديال الأب ديالي وفي الماتريال ديالو خلاني أنني نولي هكا كنبدع الآلات ونصنع الآلات ونساعد الناس باش يخدموا وفرحان بزاف بهذا الأمر هذا أي آلة احتاجيتيها في أي ميدان أنه ممكن يصنعها هذا السيد هذا ما كيعرفش المستحيل يعني آلة بغيتي سيارة جي عنده طلبها ليه وجد ليه الفلوس باش هذا وراه غادي يصاوبها لك يصنعها لك هذا مخترع مغربي كنفتخروا به
Many people seek their fortune in Casablanca, and quite a few have amassed wealth and prosperity. The square meter prices equal those of cities like Paris or London, but no one likes to talk about the large slums which lie close by. The magic of Casablanca lies in the tranquility of the city. Its location by the sea gives the city very pure air, a lot of sunshine, and a unique light. Even though there has been a noticeable increase in the wearing of headscarves for women in the city over the past couple of years, most people in the business districts dress in Western style. Casablanca is a springboard into an international world many people dream of. Soraya Mechmoun, a 21-year-old fashion model, is one of them. She models to finance her studies. She is mainly booked for wearing Moroccan kaftan, the symbol of haute couture. She has always dreamed of becoming a model. Dès que j'avais l'âge de 16 ans, il y avait ma copine qui était mannequin et je lui ai parlé comme quoi moi aussi je veux devenir une mannequin et elle m'a dit ben vas-y, on va faire un défilé ensemble et on voit. Toujours deux pièces, mais là elle a dit putain ouais, je m'y fais rien. Voilà, mais là elle s'est portée une fois portée. Soraya is 1.80 meters tall, but she has another huge advantage over the other models at the agency. La différence, c'est que, on peut dire, la plupart des magazines pour les shootings et tout, ils cherchent une fille type européenne, genre les yeux verts, blondes et tout. La plupart ici au Maroc ont des yeux noirs, des cheveux longs, noirs et tout. Donc, c'est différent. Voilà, The fashion designer, Sophia Laichi, is happy to work with Soraya. Accessories and headscarves are sometimes also part of the kaftan. كنديروا التاج للعروسه اللي كتحطوه فوق كنحطوش فوق كندرقوا به الوجه بحال هكا. Je rejoins l'utile à l'agréable. L'ancien kaftan marocain qui est très connu maintenant avec la modernité de la robe pour avoir les deux. Alors, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut porter chaque jour, même, comme s'il y a des kambi, il y a des jabador, des gandoura qu'on peut porter tous les jours. Être à la maison, être invité pour un petit verre de thé ou bien café même, on peut porter ça. Et il y a des tenues qui sont faites que pour des grandes fêtes, comme des mariages, des baptêmes, des fiançailles. Ça, c'est une autre catégorie qu'on ne peut pas porter tous les jours. C'est lourd quand même. Soraya has a shoot 4 to 6 times a month. She is a young woman who has decided not to wear the headscarf. J'aime pas porter le voile. En fait, je peux le porter si, par exemple, je pars à la mosquée. Bien sûr, je dois le porter. Mais sinon, je le porte pas. Et je suis pas contre les femmes qui portent le voile, mais c'est juste moi, j'aime pas le porter, c'est tout. Ça me pose pas de problème si je le porte, mais j'aime pas le porter. From one of the most modern districts of the city, she is now traveling to Quartier des Abous for a magazine fashion shoot. Here in the new Medina, with its many narrow streets, you always find the best locations for a fashion shoot in the Arabian Nights style.
Casablanca is the number one fashion city in Morocco, but whoever makes it here normally wants to go further. Mon rêve, c'est de continuer mes études en Suisse à la gestion économique. Bien sûr, par rapport au mannequinat, je rêve aussi de faire Victoria's Secret, même si c'est des lingeries, mais bon, c'est un rêve. Casablanca, a city caught between dreams and hopes.